Le tribunal populaire. Le tribunal populaire du peuple libre congolais a jugé et a condamné. Et voilà le verdict. EDTV, la chaîne de télévision sur Internet, EDTV, a été condamnée à ne plus jamais approcher les combattants, à ne plus participer aux manifestations ou sitting ou lumbe-lumbe organisé par les combattants. EDTV est condamné à ne plus jamais tendre son micro à un combattant. EDTV est condamné à ne plus publier les événements des combattants sur leur chaîne. Pourquoi le tribunal populaire a pris cette décision? La chaîne EDTV sur Internet a été créée par un combattant. Au nom de Richard Rich Tempête. Les journalistes de EDTV, la plupart, c'est des combattants. Il y a Maître Dona, un combattant, qui est journaliste chez EDTV. Et les combattants, Bamoni Mabé, que EDTV a qu'il est tendre micro naïe na Munguna Werason Oya d'aller rechercher par tous les combattants Yamonde en tant qu'ennemi du peuple. EDTV à tendre micro naïe Namutu Oyo Aboya Koyemba vérité souffrance y'a peuple Aboya pour rejoindre peuple na lutte naïe peuple Oyo Bazaba fanatique naïe EDTV étendre micro naïe Namutu Oyo, Munguna Azako utilisé comme une arme pour endormir le peuple. EDTV à répondre à lobby Yé Atandaka Mikro Naye Namutu Nyonso. Nous comprenons que c'est une entreprise commerciale. Et les combattants n'ont rien contre les commerçants. Mais les combattants veulent juste rappeler que Tozana Katia et Tumba, Toza Kosa la commerce T, Armand Tungulo, Atika Mwasinabana, Eza commerce T, Chebea, Atika Mwasinabana, Banzana Mwasinabana, Ba Oyo Koutou Ba Bomato Yebi Ba Kombote,
John Indongal, na prison. Atika moi sinaban. Bazo sala commerce T. Tozali awa ko sala commerce T. Batu bazako oufa. Yango wana. Lokola EDTV. Atanera mikro na ye. Na moutou nyoso. Il faut qu'on éloigne yé. Moussika yaba combattant. Yango tribunal populaire a décidé et a quoi ici verdict. Il faut réagir contre EDTV comme Tosalakina Congo Mikili. Combattant mon côté à l'Ekakalisusu na Congo Mikili. Et c'est la même condamnation. Pona EDTV. Combattant Oyo a continué Koleka Kuna. Aye Bake. Combat Oyo. Et Koku Fate Pona Ye Alekaki Kuna. Et le tribunal populaire libre du peuple congolais. Pendant plusieurs mois que la chaîne EDTV sur internet propageait un message il y a combat et l'ennemi la Belgique et le tribunal populaire à répondre. Banani baza koti labino. Qui vous envoie? Eko Simbate. Na Belgique, Eko Simbate. Le tribunal populaire a condamné EDTV. Et la journaliste qui posait les questions au nom de Mami Wata. Cette fille au nom de Mami Wata, le tribunal populaire l'a condamnée. À partir d'aujourd'hui, cette fille est wanted. La fille qui se fait appeler Mami Wata. Qui a interviewé l'ennemi du peuple à Paris. Wanted. Ce qui t'a vu au maman, on peut regretter pour une aussi maki micro walaya EDTV. EDTV a été condamné par le tribunal populaire, c'est EDTV et la fille qu'on a vue sur les images en train d'interviewer l'ennemi du peuple. EDTV n'a pas condamné Richard ni Maître Donat ni les autres journalistes qu'on n'a pas vus sur les images. Mais nous avons vu le logo sur le micro. Et derrière l'ennemi du peuple, il y avait une banderole EDTV. Inge Dabayaya, tribunal populaire, libre et un peuple congolais, à quoi ici, verdict Nae. Et la décision est zoami n'a pas combattant nyonso. La réunion moko yamunene. Et salamaki le 13 septembre 2014 na Bruxelles.
Ingeta Bayaya. Ingeta.